Et pendant ce temps, Félix Tshisekedi, président de la République, invite le procureur près la Cour pénale internationale à effectuer une visite dans le pays pour mieux s'imprégner de la situation d'insécurité dans la partie Est. À la 21e session de l'Assemblée des États parties au statut de Rome, la RDC a appelé à la solidarité internationale pour faire taire définitivement les armes dans sa partie Est. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, à travers la ministre de la Justice, plaidé pour la coopération de la Cour pénale internationale. Pendant que nous sommes dans cette salle, une partie de l'est du territoire de la République démocratique du Congo, mon pays, dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, est le théâtre des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, des crimes de génocide et des crimes d'agression qui occasionnent des milliers de morts ainsi que des cas de violences sexuelles sur les femmes, les filles en particulier, sans compter les déplacements massifs des populations. Pas plus tard que la semaine passée, les M23 ont perpétré des massacres contre plus d'une centaine de compatriotes civils non armés dans les villages de Kikiché en territoire de Rutshuru. Les auteurs de ces crimes sont aujourd'hui bien identifiés par les experts des Nations Unies et opèrent même à visage découvert. Il s'agit principalement de deux groupes terroristes dont l'un est d'origine ougandaise, en l'occurrence l'ADEF, et l'autre servant des supplétifs à l'armée rwandaise, le mouvement du M23. Du 23 mars, mieux connu sous l'appellation du M23 par lequel le Rwanda agresse mon pays et c'est connu de tous.